Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des petits messages. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. Bien sûr, c'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour tous vos jolis commentaires, pour vos témoignages aussi, pour tout. Pour votre présence, pour voilà, pour tout. Et on va commencer. Alors, on va prendre un petit message, guérir avec l'aide des anges. Est très très beau, magnifique. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu. Quel est le petit message que vous pouvez recevoir pour vous aider à guérir avec les anges, avec l'aide des anges? Alors, un petit message, s'il vous plaît. Un petit message à transmettre. Intégrité. Alors, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Et après, on parle aussi de sensibilité émotionnelle. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Alors, je vais vous transmettre le petit message qui est associé à la carte intégrité. Attendez. Intégrité. Eh bien. Ah, voilà. Alors, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Cette carte répond à vos questions et prières pour accroître la joie et la confiance en vous. Les anges vous recommandent de pratiquer uniquement les activités que vous croyez justes. Ceci n'est fondé sur aucun autre code de conduite que le vôtre. S'engager dans des conduites qui amènent à se sentir coupable ou plein de honte érode la confiance et l'estime de soi. Par contre, faire ce qui vous paraît juste vous donne un sentiment de satisfaction, fondé sur votre propre code moral et non sur celui d'autrui. Les anges peuvent vous aider à changer ou améliorer toute relation ou situation inconfortable afin que vous puissiez aligner votre vie tout entière sur votre vérité intime. Voilà. On va lire la sensibilité émotionnelle. Vous a-t-on déjà taquiné? Êtes-vous mal à l'aise à cause de votre extrême sensibilité? Si c'est le cas, cette carte vous offre l'assurance que ce don possède toutes les qualités positives. Par exemple, vous savez avec justesse si l'inconnu rencontré est digne de confiance ou non. Les anges travaillent à vos côtés pour que vous écoutiez plus souvent vos intuitions, sans vous rapprocher toutefois de les avoir négligées auparavant. Vous êtes pacifique de nature, vous évitez donc naturellement les conflits et les mauvaises énergies. Demandez à vos anges de vous mener vers des personnes paisibles et d'éloigner les autres. Respectez votre sensibilité
en entourant de douceur vos relations, le choix de vos médias, votre vie quotidienne et votre situation professionnelle. Voilà. Très, très joli. Et on va prendre un petit message de l'ange Indigo. Et après, je vous transmettrai des petits messages, un petit message avec un autre oracle. Alors, un petit message avec l'ange Indigo à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît. Un petit message à transmettre. Parce que là tout est tombé. Alors on a eu la carte et le message de la santé. Donc on va lire, je vais vous transmettre le message associé à cette carte. Santé. Alors les anges vous apportent cette carte car ils ont un message pour vous qui concerne la santé. Cela peut être pour vous ou une personne proche de vous. La santé fait référence non seulement au bien-être physique, mais également émotionnel et spirituel. Lorsque cette carte est tirée, c'est un signe que vous n'avez pas de problème de santé ou un message pour que vous ne vous identifiez pas à un problème de santé. Prenez du recul et voyez là, indépendamment de celui ou celle que vous êtes, et considérez là comme une phase dans votre vie qui sera rapidement dépassée. L'archange Raphaël travaille avec vous lorsque vous voyez cette carte. Invoquez-le ainsi que sa magnifique lumière verte pour vous aider dans la voie de la santé et de la guérison. Cette carte peut également être le signe que vous êtes un guérisseur puisque les indigos sont nés avec une puissante énergie et des capacités dans ce domaine. Cela peut indiquer que vous devriez aller de l'avant en toute confiance avec votre formation et votre travail de guérisseur. Voilà. Allez, on continue. On continue. Ouf. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre ce magnifique oracle. Et on va commencer avec celui-ci. Je vous transmets des messages. Alors, je vois un homme qui a des sentiments, qui ressent... je vois un homme qui... je vois un homme amoureux et tranquille. Qui a l'esprit tranquille dans cet amour. Alors, soit vous êtes déjà avec cet homme, soit c'est vous cet homme, ou alors c'est la personne de votre cœur. Je ressens quelque chose d'assez fort hein, dans cet amour pour cet homme. Bon après si vous êtes une femme et que vous vous y retrouvez, c'est il y a peut-être un message aussi pour vous. Après vous adaptez. Vous faites le tri. Je ressens cette personne ressent par des intuitions, par des signes, par beaucoup de choses, par des intuitions, par beaucoup de choses. On ressent, on pressent
On réceptionne, je vois un homme qui réceptionne des informations et je vois cette personne voulant aller de l'avant et se projeter. On veut se projeter en fait. On veut se projeter. Alors je vois cet homme qui va se projeter professionnellement. Se projeter aussi peut-être dans cet amour en faisant des compromis. Je vois cet homme qui est protégé. Peut-être cet amour aussi est protégé. En tout cas, je vois ce que vous allez projeter. Cet homme, ce qu'il va projeter en avant et protéger. Tout ce qui va être projeté aussi par rapport à un contrat professionnel est protégé. Et par rapport au compromis aussi, c'est protégé. Je vois que cette personne peut être bloquée. Alors, soit dans un autre département, soit dans un autre pays. Soit vous êtes en distance, soit vous communiquez pas du tout, ou alors vous communiquez une fois de temps en temps, mais je vois une distance, un blocage de distance qui vous éloigne l'un de l'autre. Et je vois cette personne comme si on pressentait qu'il fallait aller de l'avant. Peut-être par rapport à du professionnel, par rapport aussi à des compromis qu'on doit faire avec une, je pense avec vous, qu'on est protégé, que vous êtes protégé et que y a une distance qui pèse. Hein. Peut-être aussi on s'empêche peut-être de projeter des choses en avant liées à cette distance. Ouais, et ça fige, hein. Ça fige beaucoup de choses, ça fige des projets, ça fige énormément de choses. Je vois une distance qui met du temps à se dissiper, à se dissoudre. Mais ça va évoluer. Je vois la distance qui va se réduire. Soyez dans la patience. Ça peut être encore un petit peu long, mais ça va évoluer. Je vois cet homme évoluer. Je vois cet homme aussi évoluer dans son professionnel. Je vois aussi cet homme évoluer malgré en fait les blocages en fait qui peuvent être intérieurs ou extérieurs. Je ressens quand même une personne qui est prête. Il peut y avoir des petits. On se pose quand même des questions, mais je ressens cette personne qui est vraiment dans un move d'évoluer, hein. De faire évoluer en fait, peut-être dans divers domaines en même temps. Je vois du professionnel qui va aussi évoluer et je vois aussi que pour l'instant il y a le souhait de faire évoluer, mais il y a une certaine forme de distance. Mais ça va être appelé à vraiment à se réduire. Et je vois que ça empêchera pas. Pour moi, ça empêchera pas de faire des compromis l'un envers l'autre. Maintenant, regardez. Naissance. Ouais. Ça va évoluer. Je vois la naissance de projet. Ça peut être la naissance. Ouais, et c'est une totale réussite. Hein. Naissance de projet. Je vois une réussite professionnelle. Même si ça prend pour l'instant, ça prend du temps et ça s'est bloqué. Je vois une réussite professionnelle, un épanouissement. Un épanouissement de folie. Je vois une réussite aussi. Liée la distance, en fait, va se transformer. Ça va être une totale réussite. Je vois une réussite dans les projets. De cœur.
Il y a des projets, il y a peut-être des envies ensemble, des projets naissants dans un premier temps. Ça va être un peu timide, mais après, ça va évoluer en très gros projet. Pour moi, ça va être une totale réussite. Ouais. Je vois une belle naissance professionnelle. Peut-être autant pour l'un que pour l'autre. Je vois la naissance aussi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Même s'il y a un blocage, en fait, un blocage lié à une distance, peut-être géographique. On va quand même se projeter. Ouais, il y a un retour. Hein. Alors, si vous êtes en non-communication, pour moi, il y aura de la communication. Il y a un retour de communication vers vous. Si c'est des communications qui sont assez coupées, hachurées, pour moi, ça va évoluer. Et ça sera un retour assez plus fluide. Je ressens quand même quelque chose qui prendra... On prendra son temps. Mais ça n'empêchera pas de faire des compromis et de mettre aussi des actions en place, voilà, de voir un petit peu plus, un petit peu plus loin dans le futur par rapport à des projets. On va parler, hein. On va parler des projets, c'est sûr. Ouais, il y a un retour qui est un peu perturbé, il y a des retards. Voilà, il y a des retards. Ça peut être lié aussi, ça peut être un retard financier, soit vous, soit cette personne, un retard financier. Peut y avoir de la jalousie, soit autour de vous, soit autour de cette personne, par rapport au financier. Et ça provoque des retards. D'un retour de cette personne. Mais il va y avoir une victoire. Ouais. Il va y avoir une victoire et il y aura un... Alors, soit qu'on va vous... Je vois un cadeau. Un cadeau qui va arriver dans le professionnel. Pour un homme. Et ça va apporter tranquillité, apaisement, no stress, quoi. Ça va faire du bien et ça sera pour son équilibre. Son équilibre intérieur, extérieur, dans son professionnel. Je ressens quelqu'un aussi qui travaille énormément sur lui, sur elle, et ça apporte énormément de tranquillité. Il y a beaucoup de choses hein, qui vont arriver. Je vois une grande aide hein, de vos anges, de l'univers. Je vois un bel équilibre aussi, une harmonie qui va retrouver dans des amitiés. Mais dans le passé, on a pu manquer peut-être dans certains liens amicaux, manquer peut-être un petit peu de chance. On faisait peut-être pas toujours des très belles rencontres et ça portait peut-être certains soucis. Cette personne peut avoir des enfants. Voilà cette personne qui s'occupe énormément de ses enfants. Voilà. Voilà, c'est ce que je devais vous transmettre. Bon. On va prendre ce magnifique oracle. Je vais vous prendre un petit message. Ouf, il est tombé. J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc cette personne va se manifester à vous pour ne plus trouver des compromis avec vous, pour ne plus vous laisser dans une forme d'attente en fait. Hein. Stop à la pression, à la torture de méninges. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Il y a la tête. Il y a la tête de cette personne qui travaille énormément. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Accepte-moi tel que je suis.
Sois convaincu de ma sincérité. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Allez, on en prend un petit dernier. Je suis amoureux, amoureuse et je saurai te le prouver. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bon. Et je vais prendre un petit message. Attendez. Je cherche. Avec ce magnifique oracle reflet de vie. Et on y va. C'est parti. Alors, je vois une personne qui recherche peut-être un travail, un CDI. Mais actuellement, il y a quelque chose qui n'arrive pas à cette personne. C'est assez glacé. Peut-être que cette personne ne trouve pas. En fait, il n'y a pas de porte qui s'ouvre à cette personne. Mais je vois un déplacement. Donc, il y a quelque chose qui va se soulever, qui va arriver vers cette personne. Je vois un déplacement. Ça peut être un travail dans tout ce qui est immobilier. Dans tout ce qui est immobilier. Pour moi, c'est dans l'immobilier, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui va se débloquer pour cette personne. Je vois des déplacements. Je vois un appel qui va arriver vers cette personne et je vois un... Ce sera peut-être pas un CDI tout de suite, ça sera peut-être un CDD dans l'immobilier, mais je vois un appel qui va arriver vers vous. Et même si pour l'instant vous ne voyez pas que c'est très glacé en fait, je vois quelque chose qui va arriver. Ok. Alors là, je vois une personne qui se sent plus bien ou à l'aise dans un appartement. Ouais, j'ai comme si j'ai quelqu'un qui voilà, qui se sent pas bien, son bien-être, c'est pas top, peut-être sa santé aussi. On n'est pas bien, on n'est pas bien dans un appartement. Et pour moi, c'est depuis l'hiver et peut-être qu'on désire... On se sent pas bien dans un appartement pour moi depuis l'hiver. Ça a un impact sur l'émotionnel, sur le psychologique, sur le physique. Et c'est peut-être qu'on attend quelque chose, une... Soit une signature en justice pour un appartement. Ouais, la signature en justice pour un appartement, donc soit la vente. Ouais, la vente, pour une vente. Et je vois cette personne qui bouge énormément, qui tient un peu en place en fait. Et cette personne est en burn-out, hein, peut-être depuis l'hiver. Ça chamboule énormément cette personne. On vous dit de rester dans l'espérance, hein. Même si c'est compliqué actuellement, restez dans l'espérance. Ouais, soyez dans l'espérance parce que ça va bien se passer, hein. Ça va se débloquer. Je vois la signature. La signature a peut-être été retardée en fait. En justice.
où il y a eu quelque chose qui s'est langui. Il y a quelque chose qui s'est langui. Je vois quelque chose qui va bien se passer et que vous allez pouvoir fêter après. Souffler, fêter quelque chose aussi. Et en fait, ça sera vraiment une libération pour cette personne. Cette signature en justice liée à un appartement. Parce que là, on se sent vraiment pas bien. Mais restez dans l'espérance, visualisez bien. Voilà. Au bout, la récompense, c'est que vous allez fêter quelque chose. Vous allez reprendre des énergies, de la force, des vitalités. Et vous allez sortir de ce burn-out. Ouais, parce que soyez dans l'espérance. Parce que là, vous n'avez plus de plaisir. Hein. Je vois un voyage. Vous pouvez être une femme. Soit une femme, soit un homme. Et je vois cette personne entourée d'un petit garçon. Je vois un voyage. Je vois un voyage. Peut-être qu'on désire réaliser un voyage, mais qu'actuellement, en fait, j'ai cette notion d'appartement qui bloque certaines choses. Et je vois une personne qui attend une signature en justice, qui est quelque chose qui soit prononcé par rapport à cet appartement. On vous dit de rester dans l'espérance qu'au bout, ouais, il y a la fête, il y a un voyage. Et ça va vous remplir de plaisir. Hein. Et pour moi, ça sera dans le mois. Je vois dans le mois le retour de quelque chose, le retour. Soit c'est vous qui allez effectuer le retour, ou alors c'est la personne de votre cœur qui va effectuer un retour vers vous. Il y aura un appel et ça sera un triomphe. Ou alors, dans le mois, il va y avoir un appel lié à cet appartement. Un appel, voilà, quelque chose, un courrier, un appel lié à la justice, une convocation. Dans le mois. Et c'est à partir de ce moment-là où je vois c'est vraiment cette personne se libérer. Ça sera un réel triomphe. Je vois des communications. Et en fait, je vois cette personne durant... une fois ces appels reçus, je vois vraiment cette personne passer... tourner une page, en fait. Tourner une page, et ça sera un réel triomphe. On peut avoir un petit garçon. Je vois un voyage aussi. Ouais. Ça va pas être simple pour cette personne. Hein. Faut lui envoyer plein d'énergie d'amour. Parce qu'en fait, je vois qu'au printemps, cette personne va vraiment être dans... Donc là, c'est actuellement pour moi. Elle va vraiment être dans une très très grande transformation. Il y aura le triomphe. Et c'est comme si, en fait, il allait y avoir une accélération de vos anges, en fait. Par rapport à cette transformation, ça va être sur un temps limité, durant le printemps. Donc c'est comme si ça allait être vraiment quelque chose flash éclair. Mais peut-être que vous pensiez que ça allait être beaucoup plus long. Et c'est comme si c'est quelque chose qui allait être flash éclair. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? Non, il n'y en a plus d'autres. Bien, bon, je vais vous prendre aussi le petit message avec celui-ci. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Oh là là. Laisse place aux surprises. Ne te confie pas à tout le monde. La routine est le pire ennemi d'une relation. Je ne suis pas prête, je me sens pas capable de franchir le pas. Des jaloux cherchent à me nuire.
oui, je vous l'ai dit. Ça va être une transformation flash éclair. Hein. Mais bon, il y a l'aide, hein. Il y a l'aide, il y a de la protection, il y a les anges autour. Voilà. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Plein d'énergie positive, de force et de courage. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. Bon, ben, c'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Je vous embrasse bien, bien fort. Passez un merveilleux week-end. Demain, je ne sais pas si je ferai une vidéo ou pas. Sinon, passez un merveilleux dimanche de Pâques. Et je vous dis à très, très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!